Alors, à chaque fin d'année, il est important de faire le bilan. Il est important de faire le bilan de tout, sur le plan professionnel, amoureux ou bien amical. Alors, sur le plan professionnel, il est important de faire le bilan parce qu'il est important de savoir si on a le boulot qu'il nous faut, le boulot qui nous convient, si on est épanoui dans ce qu'on fait. Et sur le plan amoureux, est-ce qu'on avait la bonne personne? Est-ce que depuis qu'on est ensemble, est-ce que les choses avancent? Comment la relation est? Est-ce qu'elle est toxique? Est-ce que je suis épanouie dans cette relation également? Est-ce qu'on a les projets? Est-ce que les projets sont en train d'être réalisés? Tout ça, c'est important. Et puis sur le plan amical, c'est pareil. Est-ce que j'ai les bons amis? Est-ce que j'ai les amis qui m'aident à avancer? Est-ce que mes amis m'assistent quand j'ai besoin d'eux? Est-ce que moi aussi, je suis une bonne amie? Est-ce que je suis une personne sur qui on peut compter? Est-ce que j'apporte quelque chose? Je suis utile à mes amis. Oui, parce que l'amitié, c'est pas que ça. C'est pas seulement être là à rigoler ou à boire des verres de vin ou de champagne. L'amitié, c'est que, en fait, chacun a quelque chose qu'il peut apporter. Il peut apporter des conseils. Il peut apporter son soutien physique ou matériel. Donc, c'est autant de choses. Alors, en conclusion, le bilan est très important. Le bilan est la chose qui nous aide à améliorer l'année à venir par une feuille de route. Donc, le bilan est une feuille de route qui nous aide à améliorer l'année à venir. Donc, si tu n'as pas encore commencé à faire ton bilan, nous sommes en décembre. Fais-le, c'est très important.